Là, ça va. Voilà. Alors, j'aimerais dire que d'abord, toute la gloire doit aller à notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Si aujourd'hui nous pouvons avoir 50 ans, ce n'est pas notre propre vie, c'est sa vie qu'il nous a prêtée. Et son amour, comme nous l'avions chanté là, ne nous a pas seulement donné la vie mortelle de 50 ans. C'est bien, vous savez, Frère Branham disait que je n'aime pas beaucoup compter mes années naturelles, parce qu'elles ne valent pas grand-chose. Mais je veux compter mes années spirituelles. Parce que celui qui nous a donné la vie mortelle nous a aussi donné la vie de Dieu. Et nous le remercions infiniment pour le salut de nos âmes. Parce que vous savez, quand Dieu vous aime, il vous donne la vie mortelle. Il vous donne aussi surtout la vie éternelle. Et j'ai 50 ans naturellement et j'ai 27 ans depuis la nouvelle naissance. J'ai dit gloire à son nom. Et tout ce que je désire, c'est que un jour, quand le temps ne sera plus là et que le temps va replonger dans l'éternité, que nous soyons là un jour, nous retrouvant, comme Frère Branham le disait, vous me chercherez là où on chante grâce étonnante. Parce que vous savez, la prédication prendra fin, les prières prendront fin, mais la louange ne prendra jamais fin. Parce que Frère Branham nous a dit, dans le nouveau monde, il n'y aura plus de prédicateurs pour prêcher. Il n'y aura plus d'autel pour se repentir. Mais dans le nouveau monde, Madame dit, David sera là, en train de chanter. Et je crois que nous tous, nous serons aussi là en train de chanter. C'est pourquoi je m'étais dit, je voudrais couronner tout ce qui a été fait pour le cinquantenaire par quelque chose qui ne pourra jamais passer. Parce que l'argent va passer. On va le laisser ici un jour. Mais une chose qui ne pourra pas passer, c'est la louange à l'Éternel. Alors je crois que, comme nous le faisons là, ça ne va pas passer. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que nous allons nous retrouver auprès du Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Mon cœur est plein de joie. Un frère Eli, non pas tellement pour les 50 années, mais parce qu'il m'a donné des frères et des sœurs avec qui nous pouvons louer son nom, ici et de l'autre côté de la rivière du temps. Et je crois que vous n'avez pas oublié mon chant préféré. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà ce que le bébé d'un mois a dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le bébé d'un mois? Donc, il est beaucoup plus reconnaissant pour les frères et les sœurs que Dieu lui a donnés, avec qui il est en train de louer, parce que l'adoration, elle continue jusque de l'autre. Alors, est-ce qu'on peut chanter « Nous sommes frères et sœurs » ? Pourquoi nous nous déchirons
si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser de murs entre nous et nos frères. Oh, mais moi, peu m'importe toutes nos différences, en Jésus nous sommes unis. Si tu crois en lui, ces liens d'amour vaut plus que tous nos discours. Oui, nous changerons le monde. Et si tu le crois, rejoins-moi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main. Marchons, marchons, marchons dans la même part, jusqu'à ce que le roi revienne. Que personne ne nous décourage. Tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura l'amour. D'un même pas, oh, jusqu'à ce que le roi revienne. Si nous sommes unis, sans qui aura l'amour. Oh, oh, oh. Le jour viendra où nos yeux le verront et nous proclamerons ensemble d'un même cœur Jésus, oh, oh, Jésus est roi. Toute la terre l'entendra et le monde entier reconnaîtra. Marchons, 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 oh, oh, jusqu'à ce que le roi de rois vienne. Si nous sommes unis en lui, tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura l'amour. Oh, 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 nous sommes frères. Marchons, 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 marchons. Si nous sommes unis en lui, tant qu'il y aura, tant qu'il y aura. Marchons, 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 jusqu'à ce que le roi de rois revienne. Pourra nous décourager si nous sommes unis.